Voilà une méthode pour enlever les poils de chat ou poils de chien en général. Voilà, donc il faut mettre un peu du scotch de partout. Voilà, il faut avoir juste la patience. La même chose devant. On a mis du scotch. Hein. Et après, une fois qu'on a enlevé le scotch, il y a tout qui va partir. Déjà, on a nettoyé tous les sièges avec du scotch. Donc on met le scotch dessus comme ça et on retire et ça fait partir les poils. Là aussi pareil. Donc on va procéder à l'enlèvement du scotch qu'on a déjà posé. Ici pareil, bon, on a mis un peu à l'arrache. Mais il y avait beaucoup de poils en dessous. Et là ça devait partir. Et là on enlève le scotch. On devait avoir tout propre, voilà, vous voyez, tout propre, voilà le scotch commencé, voilà, il y a donc tous les poils dessus, pareil, regardez comment il y a tous les poils qui sont dessus, voilà, tout nickel, là aussi, bon, il restera quelques poils, mais après vous pouvez l'enlever avec un morceau de scotch, voilà, comme ça, voilà, c'est de cette façon là regardez, ça reste un tout petit peu là, vous voyez, on va retourner, voilà, parfait, et c'est comme ça, ben voilà, vous voyez, voilà. Les femmes sont expertes dans cette technique là, voilà. Ok, donc et le reste on le fera avec un bout de scotch et voilà, presque il en reste rien, quelques poils, mais c'est devenu tout propre quand même. Il fallait voir comment c'était avant. Là on va procéder pour enlever le scotch qui est du côté passager. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut bien appuyer, bien sûr, il faut bien appuyer, marcher dessus s'il le faut. Voilà, voilà, c'est cette méthode, une très bonne méthode pour enlever tous les poils. Il reste quelques poils, mais on peut l'enlever avec un morceau de cette façon là. Voilà, il nous faut juste un bout de scotch. Voilà, de cette méthode là, on peut le récupérer. Ce qui restait, on peut les enlever. Et c'est devenu tout propre. Un peu de patience, mais en un coup, eh bien, il y a tout qui part. Et merci.